Le prince Harry ne supporte plus les nombreuses critiques qui sont faites à l'encontre de sa femme Meghan Markle. Il a peur qu'elle subisse une fin tragique comme sa mère, Lady Diana. Le prince Harry contre-attaque. Il a décidé de prendre la parole pour réagir au traitement médiatique qui est réservé à sa femme, Meghan Markle. Comme le rapporte le site People, mardi 1er octobre, dans une déclaration officielle, il a pris pour cible certains médias britanniques. Malheureusement, mon épouse est devenue l'une des dernières victimes d'un tabloïd britannique qui mène des campagnes contre des personnes sans se soucier des conséquences. Une campagne impitoyable qui s'est intensifiée au cours de l'année écoulée, tout au long de sa grossesse et encore aujourd'hui, ainsi déclaré le prince Harry. Bien que sa femme soit très courageuse, il sait que de tels propos sont difficiles à encaisser et qu'elle en souffre. Il arrive un moment où la seule chose à faire est de résister à ce comportement, car il détruit des personnes et des vies, a-t-il encore déclaré. En termes simples, il s'agit d'intimidation, qui effraie et réduit au silence les gens. Nous savons tous que ce n'est pas acceptable, à tous les niveaux. Le couple attaque en justice. La plus grande peur du prince Harry est de revivre une tragédie semblable à celle qu'il a déjà vécue avec la perte de sa mère, la princesse Diana. Elle est morte dans un accident de voiture en 1997 alors que sa voiture était poursuivie par des paparazzi. Ma peur la plus profonde est que l'histoire se répète. J'ai vu ce qui se passe quand quelqu'un que j'aime est banalisé au point de ne plus être traité ou perçu comme une personne réelle. J'ai perdu ma mère et je vois maintenant ma femme devenir la victime des mêmes forces puissantes, a-t-il encore raconté très ému. Ainsi, le couple a décidé de mener une action en justice contre le Mail on Sunday. Nous avons engagé une procédure judiciaire contre le Mail on Sunday et sa société mère Associated Newspaper pour la publication intrusive et illégale d'une lettre privée écrite par la duchesse de Sussex, qui fait partie d'une campagne de ce groupe de médias visant à publier des histoires fausses et délibérément désobligeantes sur elle, ainsi que sur son mari, a déclaré un porte-parole de la famille royale, représentant de la duchesse de Sussex.